Bonjour à tous, c'est la Minute Culture, c'est parti. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce qu'on appelle le triangle dramatique de Cartman. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours, au quotidien, même qu'on met en œuvre parfois plusieurs fois dans une même journée, auprès de personnes différentes ou même auprès d'une seule et même personne. Le triangle de Cartman, en fait, ce sont des jeux psychologiques dans lesquels on va rentrer d'une manière un petit peu naturelle, on s'en rend pas forcément compte. Et comme c'est un jeu psychologique et c'est quelque chose qui n'est pas positif, il faut absolument essayer de s'en extraire un maximum. Dans ce triangle, il y a trois protagonistes, trois rôles à jouer. Le premier rôle, c'est celui de la victime. La victime, c'est simplement celui qui va râler très souvent, qui parfois va être dans des provocations, mais beaucoup plus orienté sur de la plainte. C'est celui qui en a marre, qui pense que la vie elle est injuste, qui pense que les gens sont tous contre lui. C'est le malheureux, le malchanceux, mais bien sûr qui est toujours irréprochable, selon lui. C'est celui qui ressent vraiment un sentiment d'impuissance, qu'il pense qu'il ne peut rien faire face à tout ce qui lui arrive, et c'est celui qui vraiment ressent une grande souffrance par rapport à ce qu'il vit. C'est quelqu'un qui manque réellement de confiance en lui, qui a peur de s'affirmer, et donc qui préfère se cacher, et c'est quelqu'un qui cherche souvent une autre personne, entre autres, pour faire à sa place. Le deuxième rôle, ça va être celui du sauveur. Le sauveur, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est gentil et qui s'inquiète constamment pour les autres. C'est quelqu'un qui a besoin et qui a envie d'aider, de conseiller, vraiment d'apporter son aide. Il va être là pour les autres, que les autres aient demandé ou pas du tout son aide, et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager des solutions. Le sauveur, c'est quelqu'un qui ne fait jamais de vagues, qui n'entre jamais dans le conflit, qui veut vraiment apporter aux autres, qui aime conseiller et qui te tient des discours du genre « tu sais, ma porte est toujours ouverte ». C'est quelqu'un aussi dans ses caractéristiques très souvent qui veut empêcher l'injustice et qui veut de fait préserver l'harmonie. C'est quelqu'un qui ne veut pas se sentir justement coupable de ne rien faire, donc c'est pour ça qu'il pose des actions. Et donc de fait, c'est quelqu'un qui veut lui aussi arrêter de souffrir et qui a besoin de reconnaissance. Le troisième rôle, c'est celui du persécuteur. Le persécuteur, c'est quelqu'un qui va attaquer, qui va vouloir mettre l'autre dans l'infériorité, qui va ordonner, qui va dévaloriser, qui va critiquer et qui va même ridiculiser les gens. C'est quelqu'un qui va se montrer agressif, désagréable, parfois justement méchant, qui ne va pas du tout montrer la plus belle des facettes de sa personne. Dans son état d'esprit, le fait d'être critique, ça veut dire vraiment qu'il faut montrer à l'autre que ce qu'il fait n'est pas bien, il faut le punir. Quoi qu'il en coûte, il faut faire plier l'autre, lui montrer que j'ai raison et qu'il a tort. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais imposer mon point de vue, je vais maintenir une certaine tension, un certain flou artistique, je vais manipuler aussi les gens. Le persécuteur, c'est quelqu'un qui a envie de cacher sa vulnérabilité ou les failles qui sont en lui. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de partager ses frustrations. C'est une personne qui a besoin de se sortir de situations inconfortables et très souvent, il le fait par la force. Parce que dans sa vision du monde, c'est comme ça que ça marche. Je viens de vous présenter leur rôle, leur comportement et leur motivation. Leurs motivations d'ailleurs sont très souvent inconscientes. Chaque jour, chacun d'entre nous, on va être dans ces trois rôles différents. On peut être soi-même victime, persécuteur ou sauveur, en fonction de la situation, en fonction de la personne à qui on va s'adresser. Et parfois, bien sûr, dans une conversation, on peut être victime, et 10 minutes après, dans cette même conversation, on peut devenir sauveur, 10 minutes après, passer persécuteur. On dit qu'on joue souvent un ou deux rôles mieux qu'un autre. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder un petit peu dans vos actions au quotidien et dans vos discours, quel rôle vous avez tendance à jouer le plus souvent et le mieux, à prendre du recul sur ça, à analyser et à vous demander mais comment est-ce que je peux sortir de ça? Parce que être une victime, être un sauveur, être un persécuteur, c'est pas quelque chose qui est positif. D'où le nom d'ailleurs du triangle dramatique de Cartman. Ce sont des jeux de pouvoir où aucune de ces personnes ne prend réellement sa responsabilité. Et comment est-ce qu'on peut sortir justement de Cartman en renvoyant l'autre à sa propre responsabilité? Les différents portraits que je viens de vous dépeindre sont des potentialités. Un persécuteur n'est pas forcément tout ce que je vous ai raconté, comme un sauveur ou comme une victime. Ce sont des traits caractéristiques qui peuvent vous permettre justement d'identifier vos comportements et ceux des autres pour les réajuster. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très vite pour une nouvelle Minute Culture. Ciao.